Salut les gars, bien. Un petit tour sur le palmarès des cryptos. Comme souvent, il y a des cryptos, des coins, des altcoins qui bougent beaucoup. Depuis vendredi, on en a certaines qui bougent pas mal. Celle-ci, Bond, est à plus de 200% depuis vendredi. Je voulais vous montrer que cette hausse formidable. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Arrive, eh bien, quand les F-tables passent positif. Ils étaient négatifs là. La ligne rouge, c'est le zéro. Ils sont passés positifs et depuis, bah, ça ne fait que monter. Le F-table long est tout le temps en safe zone. Il a quasiment pas tapé son enveloppe inférieure, juste ici et encore. Donc il filtre. Il vous permet de rester en tendance en filtrant le bruit. Et le FTA bol court, lui, il a indiqué qu'il y avait une correction. En fait, ça a été plutôt une stagnation. Et de nouveau départ à la hausse. Bon, je n'affiche pas les DAS. L'objectif, c'est uniquement de montrer ces fortes hausses et le filtrage très efficace des FTA bol. On a aussi bêta avec une correction un peu plus forte. Pond, même topo. Chaque fois, en fait, c'est quand les FTA bol passent positif qu'il y a de fortes hausses. C'est ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. Voilà, là encore, hein. Chaque fois qu'il est positif, on a de fortes hausses. Parfois, il y a une correction. On est en sell zone, c'est la zone rouge, sur le FTA bol middle, et après, on repart à la hausse. Voilà, chaque fois qu'il y a des pics, eh bien, on est en positif sur le FTA bol middle au moins. Ouais, celui-là aussi. Lui, il est assez illiquide, mais bon, ça reste quand même vrai. Là, tous les pics sont quand le FTA est positif. Vous vous souvenez sans doute du screener que j'avais codé pour TradingView, un screener appliqué surtout à ce palmarès. Je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo dans laquelle j'en parle. Ce screener est en vente dans ma boutique Etsy. Et là, je suis en train de me dire que sur cette liste, au passage, Bond est passé à 100%, alors que quand j'ai commencé les vidéos, il était à 93% de hausse sur 24 heures. Et quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire la vidéo, il était à 73% de hausse. Donc là, on a gagné 30% en quelques minutes. Donc j'étais en train de me dire qu'il y a 300 cryptos dans cette liste. Et si on réduisait la liste à toutes les cryptos qui sont en moins de 1, comme celle-ci, eh bien, on capterait des mouvements encore plus forts parce que quand les prix sont faibles, les mouvements sont beaucoup plus forts. Alors voilà, là, c'est pas vrai, hein. DREP n'a monté que de 7% alors que Bond a monté de 200%, mais bon, c'est une idée. Voilà, donc ça se vérifie, hein, c'est quasiment mathématique. Les fortes hausses ont lieu quand le FTA ball est positif. Les exceptions, c'est quand on a fortement baissé et qu'après, on remonte un peu en corner, en V, comme ça. Là, effectivement, comme les indicateurs, les FTA ont quand même un petit peu de retard, ils ne passent positifs qu'à partir de là environ. Et donc, on perd une partie de la hausse. Mais si vous voulez augmenter vos probabilités de réussite en trading, eh bien, il faut trader à la hausse quand les FTA ball, au moins le middle, est positif et croissant. Voilà, donc le bond USDT est en hausse. Est-ce que ça va continuer? Eh bien ça, c'est l'indicateur asset qui va nous dire, puisqu'il sert de support. On a un premier support avec la courbe bleue supérieure, ensuite la courbe rouge inférieure. Et tant qu'on surfe au-dessus, eh bien le swing haussier continue. Après, on a le filtrage d'FTA ball. Voilà, c'était pour vous montrer que ça bouge aussi sur les cryptos, mais que les tendances ne durent pas longtemps. Là, en quelques heures, bah, ça monte quasiment à pic. Mais en daily, la tendance, elle est franchement baissière. Et ce genre de hausse ne dure pas longtemps. Regardez, là, on a des bougies très hautes, mais ça retombe aussitôt. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.